Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour la suite de Amnesia The Dark Descent. Donc on avait fait un petit tour à la salle des machines, on a réparé l'ascenseur à charbon et maintenant nous pouvons prendre ce même ascenseur, j'allais dire deux choses en même temps, c'est pas possible, et monter, hein? Monter ou descendre, je sais pas. Le professeur Taylor était la seconde victime décédée à cause de sa maudite curiosité. Je crois qu'on l'a déjà. Bah non, évidemment, on descend. Voilà, c'est là que je vais aller, non? Je crois qu'on n'a pas croisé d'ascenseur... Enfin, de porte d'ascenseur dans les niveaux d'avant. J'aimerais bien ne pas descendre aussi profondément que je le pense. Hein, je ne veux pas atterrir dans l'anus du château, hein, n'est-ce pas? On est arrivé? Non, pas du tout. Un bonheur. Un véritable bonheur. Marchant avec précaution sur la terre inconnue, il regarda par-dessus son épaule ses compagnons de voyage. L'escorte toucha les bouts de son chapeau en guise d'adieu. Donc je suis dans le trou du cul du château, c'est ça? Je suis où? Pétard, j'ai eu de la chance moi, dis donc. De pas avoir fini écrasé sous l'éboulement. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Est-ce que vraiment c'est les criminels? Moi je pense pas, hein. Vu ce que Daniel a fait à une pauvre jeune fille dans le stockage, à mon avis... Ah mais vous pensez que... Calme-toi. Vous pensez que c'est arrivé... Alors cette partie est arrivée avant le stockage? Peut-être qu'ils ont été chercher justement la fille et après ils l'ont remontée pour la torturer. Non mais ça serait horrible. Vraiment affreux. Bon, il y a rien ici, on est d'accord. Déplaçons les poutres. C'est bon. On va déplacer celle-là. Hop. Ah d'accord. Très bien. Hop. Nya. Voilà. C'est sympa comme ça. Ouais, j'adore. Déplaçons les gros cailloux pour pas être entravés si jamais. Hein? Si jamais on doit courir et se cacher, je sais pas où on pourrait se cacher, mais il est possible qu'à un moment... voilà. Hein. Ah, c'est bien parce que là, au moins, on peut pas du tout remonter. Hein. C'est vraiment un bonheur suprême. Bah, allez. Allez. Il faut déplacer ce caillou, monsieur. Hop. Je suis désolée, hein, je mets trois plombes à faire un truc. J'ai envie de faire les choses bien, ok? Bon. Ok. On est donc parti. Ça fait peur. Ça fait très peur. C'est encore pire que le stockage. Non mais quand je vous dis que c'est de pire en pire... Je déconne pas, hein. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. J'ai couru avant. Bon, en tout cas, j'ai trouvé un endroit où me cacher, c'est bon.
Non, j'ai pas du tout vu par contre. Bon, on va utiliser de l'amadou parce que là c'est pas possible. Donc, partons tout droit. Zone de cellules. J'adore les prisons. Hein, c'est super. On va aller là, d'accord? On va en allumer une sur deux. Quoi? Pas de me faire peur, Daniel, là. Déglingué, moi, tu vois. Ah, on peut déplacer un lit. Mais il n'y a rien. Il y a des souris. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a. Ah non, il y a de la madou, là. Je suis aveugle. Comme toujours. Là, il y a quoi? Une porte posée, très bien, contre un mur. Ah, là, il y a de la madou encore. Ok. Il n'y a rien d'autre, hein, on est d'accord. Enfin, moi, j'ai rien vu d'autre. Mais quelle malchance! Pourquoi on voit de la lumière alors qu'on est au sous-sol? Oh, pas envie d'y aller. Pas de monstre, hein, s'il vous plaît. Ah! Un objet de quête. Vous savez ce qui se passe quand on ramasse un objet de quête, hein? Je vais visiter avant. Ça ne vous dérange pas. C'était quoi ce bruit? J'ai paniqué. Pardon. C'est quoi ce bruit derrière moi? Il y a toujours des bruits étranges quand je tourne du amnésia. C'est normal? Ah, très bien, on ne voit rien. Ah, de l'huile! Trop bien. Je ramasse direct. Parce que ça... Le baril, il avait rempli ma lanterne. Et en fait, ben, je l'ai utilisé super rapidement. Je sais pas ce que j'ai fait. Je m'en suis pas rendu compte, mais c'est très gênant. Pourquoi je me cache où il y a de la lumière? Mais je suis conne! Je suis trop con. Je suis trop con. Je vais me faire enculer. Au secours! Pourquoi je suis allée là? Je suis débile! Je suis totalement débile! C'est bon? Je suis pas bien. C'est bon? C'est bon? Je suis pas très bien. Pourquoi ça a fait ça? Eh, faut pas me faire des frayeurs comme ça, là, hein? Oh, putain. Oh, putain. Y'a personne! Occupé! Oh! Trop bien! C'est bien de soulever des trucs quand même. Hein. Vous entendez des bruits de pas? Moi j'en entends, je crois. Attendez. On va laisser la porte comme ça. Comme ça on pourra se cacher derrière. Y a rien. Bon ok, on va ramasser le marteau là. On va finir les choses très rapidement, là, ça commence à m'énerver, hein. Oh, il est pas bien du tout, hein. Non. Je crois qu'il n'est pas bien du tout. Regarde cette belle lampe torche. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain de sa race. Elle est où la porte? Elle est là. Vite, vite.
Il va défoncer la porte. Je suis dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Je vais me faire défoncer. C'est devenu rouge d'un coup. Oh là là, regardez-moi cette vision trouble dégueulasse. Et je vais devoir jouer comme ça. Super, merci beaucoup, bravo. Arrêtez de crier! Ce n'est pas si terrible. Il est parti? Et là, je tombe nez à nez avec lui. Il a l'air d'être parti. Ok, bon, on continue. Je suis pas du tout confiante, hein. Je vous avoue que là... Ah non, je fais pas la maline. Hein. Oh, j'ai eu trop peur en voyant la lumière au loin. Aller par là. Il y a de l'huile. C'est toujours bon signe. Je risque pas de parler beaucoup, hein, je vous avoue. J'ai entendu un bruit chelou derrière moi. En vrai. Oh non, pas un objet de quête, putain. C'est une blague. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Donc il y avait des enfants. Très bien, c'est super. J'aime beaucoup. Hop. Ah, il est toujours pas bien, mais sa vision est... ça va. J'arrive à jouer, quoi. J'essaye de... Ok! Attendez, on va retourner là. Pour voir un peu ce qu'il a noté. Une des cellules verrouillées de la prison a une serrure fragile. Bon, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire, là? On vient de les ramasser, donc c'est super. On a fait les choses dans l'ordre, c'est bien. Au moins, on ne perd pas de temps. Non, 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 range ça. Et le mec qui gueule derrière, il me perturbe. Ça m'énerve. Vraiment. J'en ai marre les gens qui souffrent pour rien. Il n'y a rien sous le lit. Il n'y a pas d'amadou caché sous une chaise. Il y a... Oh! J'avais pas vu. Trop de la balle, putain. Et c'est tout ce qu'il y a? Donc c'est une pièce secondaire. Très bien. C'est un peu con, hein. Donc j'ai été obligée d'utiliser des objets de quête pour ramasser des objets secondaires. C'est con. Ok, bon bah on va continuer. Je ne suis absolument pas confiante. Vraiment, hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a le mal. Voilà ce qu'il y a. Bon, ok. On porte ses couilles et on y va. Oh mais on voit que dalle, mais vraiment que dalle quoi. Y'a quoi là? Il y a une porte ouverte. Oh putain, y'a pas un truc pour allumer une torche?
C'est vraiment chiant ça. Hein. Il nous donne plein d'amadou. Ah, de l'huile. Mais par contre, les torches, hein, on peut se les foutre au cul, hein. Elles sont mignonnes, les souris. Et là... Ah non, y a rien. Pour une fois. Bah non, mais tout à l'heure, quand j'ai soulevé un seau, il y avait un truc, donc... Non ! Ta gueule. Oh, je suis arrivée de où ? De là-bas ? Oui, ça doit être ça. Ok. Ah. But mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the outrider, and tell him to alert the king's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. But... Someone is coming. Hurry! I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Mais y a rien. Ah si, y a un trou. Super. Le trou est trop étroit pour s'y glisser à travers. Mais arrête, il est pas si gros, Daniel. Il y a un trou dans la terre, dans une des cellules, mais il est trop petit pour qu'un homme puisse y entrer. D'accord. Moi, je suis sûre qu'il pourrait, mais... Ah, on a toujours le... Ok, donc là, on a libéré un passage. Par contre... J'ai pas tout visité, donc en fait, ça me fait un peu chier. Alors, attendez. On va un peu torcher tout ça, là. Là, y a rien. Là, y a pas d'amadou. Ok. On va essayer de se dépêcher. Mais je ne sais pas par où je suis arrivée. Alors attendez. On va allumer celle-là. Et... Donc là c'est par... C'est l'escalier où on est arrivé? Non, pas du tout. Attendez. Non, redresse-toi, ça me perturbe. Ah, il y a de la madou là déjà. Hop. Oh putain de sa race. Ah là, là je suis dans la merde là. Là je suis vraiment dans la merde. Il est où? Il est pas là? Là-bas, je suis pas allée parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est quoi ça? Oh là là. Je suis désolée, je ne parle pas, je prends mon temps, mais... J'aimerais bien finir cette section, en fait, avant... Bah avant de vous quitter quoi. Donc là c'est où on est arrivé. Très bien. Donc normalement on a tout visité. Et je sais plus c'est quelle porte. Je crois que c'est celle-là. Ouais c'est celle-là. Hop. Comme ça. On rentre là-dedans et on peut se dire au revoir avec des sens, voyez-vous. Le soleil levant vacillait à travers les pins alors que le carrosse approchait du château. Approchait le château. Ah oui, ça se dit en effet. Je suis... What? Je suis dans un colon. On est bien dans l'anus du château, donc... bah non, je continue pas. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, on va très bientôt se retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis salut, hein. Allez, bisous.